Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté. Figaro, Madame ou Libé, j'suis prêt à faire des concessions. Manger de la cervelle de mouton, j'suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi jouent au Scrabble. Ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rigvir. Tes parents au café commandent un carpérier. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. J'suis prêt à tout, t'as accepté. Figaro, Madame ou Libé, prêt à trahir mes convictions. Manger des huîtres au réveillon, j'suis prêt à tout pour que ça passe. Dire du mal du voisin d'en face, supporter les Opel Vectra et même regarder Thalassa. Parents, c'est peut-être des gens bien qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non, tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret, et puis ton père qui me demande alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? J'suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser leur chien dégueulasse, ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous. Chloé m'a tellement parlé de vous.